One, go. Plus que l'argent, plus que l'or, oui j'ai trouvé un trésor, Elohim, mi amor. Pour toi je chanterai encore, tu as justifié mon sort, par ton esprit et ton corps, Elohim, mi amor. Pour toi je chanterai, mon trésor c'est Yehoshua. C'est Yehoshua, c'est Yehoshua. Mon époux, c'est Yehoshua, c'est Yehoshua. Mon époux, c'est Yehoshua, c'est Yehoshua. C'est lui qui m'a aimé, le seul qui peut combler. Je veux persévérer. Il est la manne cachée, mon trésor espéré. Je désire encore l'adorer. Son amour ne m'a point rejeté. Mon trésor, c'est Yehoshua, c'est Yehoshua. Mon écran, c'est Yehoshua, c'est Yehoshua. C'est Yehoshua, c'est Yehoshua. Mon épouse, c'est Yehoshua, c'est Yehoshua. C'est Yehoshua, c'est Yehoshua. Mon épouse, c'est Yehoshua, c'est Yehoshua. Mon trésor espéré, je désire encore l'adorer. Son amour ne m'a point rejeté, mon trésor. C'est Yehoshua, c'est Yehoshua. Mon épouse, c'est Yehoshua, c'est Yehoshua. Mon trésor, c'est Yehoshua, c'est Yehoshua. Mon époux, c'est Yehoshua, c'est Yehoshua. Inspire-moi des mélodies qui viennent du ciel, et je pourrais chanter, Papa, combien tu es grand. Donne-moi des mélodies qui viennent du ciel, et je pourrais chanter, Papa, combien tu es grand. Mon trésor, c'est toi, ô Père. Celui qui m'a touché, c'est toi. Comment ne pas exprimer ce que tu as mis en moi, mon roi. Puisque l'argent que m'a proposé moi, tu es venu et tu m'as donné la vraie liberté. Yehoshua, 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 Amashiach. Yehoshua, 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 Amashia, Yehoshua, Amashia, Yehoshua.
chanter au choix à Machia et au choix à Machia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Alléluia. Alors, bonjour, frères et sœurs, voilà, qui suivront cette vidéo de compte rendu de la mission Martinique, Guadeloupe, mission Caraïbes. Et on bénit le Seigneur, on bénit le Seigneur de tout cœur, avec notre âme, on veut le louer, l'adorer, le dire merci pour tout ce qu'il a fait, le bien qu'il nous a fait. Là, on est dans sa présence, c'est magnifique. Et nous sommes en direct de la Guadeloupe, là, en direct de la Guadeloupe, voilà, dans les studios. Et on aimerait faire un compte rendu à nos frères et sœurs qui nous ont, voilà, encouragés dans la prière, soutenus dans la prière et qui ont soutenu la mission aussi financièrement. On aimerait vous faire un petit compte rendu de comment le Seigneur a opéré, a conduit la mission. Et donc on a commencé la mission dès le 15, hein, dès le 15 janvier. On a commencé la mission à l'aéroport, à annoncer la parole, à annoncer le message de l'évangile. Et le Seigneur a interpellé beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes ont été interpellés. Voilà, le Seigneur a semé sa parole, semé dans les cœurs. Et c'est l'Esprit qui fera croître. Et donc dès le 15, on est parti en Martinique. Et tout pendant le trajet, la parole a été semée. En fait, nous sommes dans ce temps où le Seigneur presse son peuple, pousse son peuple de plus en plus à témoigner de lui. Parce qu'il est vraiment à la porte. Car les hommes de ce monde, les gens de ce monde se posent beaucoup de questions par rapport à ce qui se passe dans le monde. On a vu des gens se poser des questions qui étaient vraiment à l'écoute du message. Et, car tout ce qui se passe dans le monde, voilà, permet aussi que les hommes et les femmes écoutent la parole, écoutent ce que le Seigneur a à leur dire. Donc nous sommes partis en Martinique. Donc je laisserai mes frères en parler aussi, témoigner un peu. On est partis en Martinique, on a évangélisé à Saint-Esprit. Saint-Esprit, on a évangélisé cette ville de Saint-Esprit. D'aussitôt, le Seigneur a touché une jeune femme et on est parti la baptiser aussitôt. On l'a soutenue financièrement, on l'a donné des produits de première nécessité. Et elle a été vraiment encouragée, elle a jeté ses cigarettes, elle a tout déchiré, elle a tout cassé. Elle a jeté par terre ses cigarettes, tout ça, et on l'a déposé devant le trône du Seigneur. Et voilà, parce que son âme appartient au Seigneur, son âme, c'est le Seigneur qui l'a créée. Et je crois que le Seigneur va opérer dans sa vie. Et d'autres gens ont été touchés, interpellés, les policiers aussi, on a partagé la parole à des policiers. En fait, c'est comme si les gens, ils attendent cette parole, ils attendent cette eau. Et lorsque cette eau, cet évangile, la parole du Seigneur est présentée, et ça bouillonne dans les cœurs des élus. Et ceux qui ne sont pas élus, bon, ils vont la rejeter en fait. Parce qu'ils ont refusé d'être élus, donc ils la rejettent, tout simplement. Donc les élus acceptent la parole et elle produira du bon fruit dans leur cœur. Donc on a sillonné la Martinique, hein, le Fort de France aussi. On est parti parler du maître, on a soutenu des gens qui voulaient à manger, voilà, des gens qui étaient à la rue, et on a témoigné l'amour du Seigneur. On est parti aussi devant une place là, Grande Savane, place de la Savane, ouais. On est parti là-bas, on a évangélisé, on a témoigné du maître. Je vous dis la vérité, c'est terrible. Il y avait deux jeunes filles qui étaient là comme ça, qui écoutaient la parole du Seigneur, qui écoutaient le message. Le Seigneur leur a donné des paroles de connaissance, avec précision sur leur vie.
Elles se sont mis à pleurer. Il y en a une qui s'est mis à pleurer parce que là, elle s'est rendue compte que là, on ne la connaît pas. On ne connaît pas sa vie. Il n'y a que le maître qui connaît sa vie. Et elle disait, non, c'est vrai tout ça. C'est le Seigneur qui parle. C'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Touché, en train de pleurer, mes amis, là, c'était terrible. Alléluia. Oh là 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 là. Donc, les sœurs l'ont baptisé, là, les ont baptisé. Et car la parole dit que dans acte 2, que lorsqu'on reçoit l'évangile, voilà, on voit dans acte 2, quand les hommes ont reçu l'évangile, les femmes ont reçu l'évangile, ils eurent le cœur vivement touché. Alléluia. Et lorsque le cœur est vivement touché, eh bien, les âmes se baptisent. Vous voyez ? On les baptise dans le nom puissant de Yeshua, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Vous voyez ? Donc, du coup, on est resté tard là-bas, adoré dehors. Il pleuvait, on est resté adorer le Seigneur. En fait, on comprend que là, les choses se passent dehors. En vérité, c'est dehors. C'est dehors que le Seigneur attend l'église, son église. Voyez, c'est dehors, mes amis. Voyez, car si on ne va pas à la rencontre des âmes dehors, ben, ils ne seront pas touchés. Voyez, c'est pour ça que le Seigneur a fermé les églises. Il a tout fermé pour qu'on puisse aller dehors. C'est dehors que le Seigneur voit l'église. C'est dehors que le Seigneur voit son peuple, mes amis. Et on était boostés, encouragés, on était... Oh, c'est terrible, c'est terrible. Vous voyez, c'était la mission. Mais du coup, après, voilà, on est reparti le dimanche sur la Guadeloupe. Le lundi, on a commencé à évangéliser encore sur Pointe-à-Pitre, c'est ça hein? Pointe-à-Pitre, on a sillonné Pointe-à-Pitre. À peine on arrive à Pointe-à-Pitre, on se gare. En même pas 15 minutes, on prêche l'évangile à un jeune. Ce jeune, il dit non, le Seigneur ne m'aime pas. Le Seigneur ne m'aime pas. On lui a dit, si, il t'aime, le Seigneur, t'as pas oublié. Il peut faire beaucoup pour toi. Il suffit que tu l'acceptes. Il suffit que tu abandonnes le péché, que tu te sépares de ce que le Seigneur n'aime pas. Et tu verras ce qu'il fera pour toi. Tu vois, tu verras ce qu'il fera pour toi. Donc le jeune, là, ben, aussitôt, 15 minutes après, il monte dans la voiture. Il voulait se baptiser habillé, tout habillé. On a dit non. On va te ramener chez toi, tu prends un vêtement. Donc, on l'a embarqué après, par la suite. Il est monté, on est parti à la mer, baptisé. Et on arrive au baptême, il dit, oh, mais c'est là que ma tati s'est baptisée. C'est là que ma tati s'est baptisée. Et il ne savait pas que son tour arrivait. Mes amis, il ne savait pas que le filet de l'évangile allait l'attraper. Oh là là, Seigneur, le jeune touché, mes amis. En plus, c'est eux qui nous ont interpellés, c'est même pas nous qui sont partis vers eux, c'est eux qui nous ont interpellés. Donc, tu nous interpelles, on va te présenter l'évangile. On va te parler du maître. Alléluia. Du coup, on a parlé du Seigneur, touché, posé plein de questions, tout ça. Et en fait, on ne se connaissait même pas. On peut être des étrangers, mais 15 minutes après, il est dans la voiture avec nous. Hey! Il ne sait pas qui on est. On aurait pu être n'importe qui. Hein, pour nous faire confiance comme ça, mes amis. C'est parce que c'est l'esprit qui convainc de justice, de jugement et de péché. Hein, c'est comme dans la parole où les Matthieu, tout ça, ils étaient en train de bosser, travailler. Le Seigneur leur dit, viens, suis-moi. Donc, ils ne savent même pas qui est Yeshua, ils abandonnent leur travail. Ils abandonnent leur CDI, leur poste de travail. Et ils vont suivre le Seigneur. Ben, c'est ce qui s'est passé. Le gars ne connaissait pas. C'est comme si le Seigneur lui dit, viens, suis-moi. Suis-moi, le Seigneur appelle son peuple dans ces temps de la fin, mes amis. Oh là 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 là. Et là, je parle, mais mon cœur bouillonne, c'est chaud. Je vous dis la vérité, je veux voir plus encore avec le Seigneur. On veut plus encore. On veut voir notre Seigneur se glorifier dans ce temps de ténèbres, dans ce monde-là. Je crois qu'il va se glorifier à travers ses enfants, à travers ceux qui ont le cœur disposé. Il faut juste que nous ayons le cœur disposé et le Seigneur opérera à travers nos vies, mes amis, à travers nos membres, ce qu'il a opéré. Nous sommes ses instruments entre ses mains. Tu es son instrument. Voilà pourquoi il faut avoir le cœur disposé. Voyez, le cœur disposé. Alléluia. Alléluia. J'avais carrément dit, Seigneur, je ne suis plus en mission, Seigneur, j'arrête la mission, Seigneur, j'arrête, je ne vais plus, Seigneur, j'abandonne. Le Seigneur, deux jours avant, il m'a dit, tu vas en mission. Oh là 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 là. Tu vas en mission, mes amis. Donc, du coup, on a évangélisé en Martinique, en Guadeloupe. On a tourné à Pointe-à-Pitre. On a tourné à Pointe-à-Pitre. Mais oh, c'est terrible.
Oh, c'est terrible. Et donc là, on a évangélisé le jeune Jesse, là, Jesse, hein. On a baptisé plutôt. Et du coup, on a continué à évangéliser à Pointe-à-Pitre, tout ça. Et après, on s'est mis à adorer le soir. On s'est retrouvés pour adorer le Seigneur, adorer, partager la parole, s'encourager mutuellement, car on en a besoin. Et donc le lendemain, pareil, on a encore évangélisé un peu partout, hein, les villes de la Guadeloupe. Et le Seigneur fait du bien aux âmes qui ont entendu ce message. Et le soir, on a eu un programme et le Seigneur a touché des âmes. Il y a eu des conversions, des âmes se sont données au Seigneur et ont été convaincues de péché. Voilà, il y a eu quelques baptêmes ce soir-là. Et le Seigneur fait son travail. Il fait son travail, le Seigneur. Donc voilà. Donc là, aujourd'hui, la mission est finie. Donc on a fait 5 jours de mission en mission express. Donc voilà, 5 jours et... voilà, le Seigneur avait une œuvre à faire pendant ces 5 jours. Voilà, en 5 jours, ben, il peut faire son travail. Donc, dans le nom puissant de Yeshua. Donc, en ces 5 jours de mission-là, il a touché des cœurs en Martinique, touché des cœurs. Il a touché ses enfants. Parce qu'il revient le Seigneur. Donc, voilà. Quoi dire de plus? Quoi dire le plus? Donc, voilà, on va continuer encore comme ça à aller là où le Seigneur nous demande d'aller. Par sa grâce, dans le nom de Yeshua. Je ne sais pas si quelqu'un veut parler, veut raconter aussi ce qu'il a pu vivre. Mes sœurs qui étaient là, qui ont participé à la mission. Allez-y, mes sœurs. Merci, Seigneur. Vraiment, elle est belle, la mission. Et nous voulons vraiment élever notre Seigneur. La mission, elle est belle. Et on voyait que le Seigneur disait que les disciples revenaient avec joie. Et ce que j'ai appris de la mission, parce que la mission, on est sur le terrain et on travaille avec le maître Yeshua. Dans la mission, c'est un temps de guerre. Et la mission, tu n'as pas le temps pour aller à la cuisine, hein, pour... On te fait un bon plat. La mission, on n'a pas faim. Pourquoi? Parce que le maître te donne son épée. Et à travers l'épée, tu as de l'eau. Tu as du lait. Tu as l'habit. Tu as l'habit royal. Tu es habillé. C'est pourquoi il nous ordonne de ne pas prendre de tunique, de ne pas prendre de bourse. Tout est gratuit dans la mission. Et ils disent, là où vous passez, on vous donne quelque chose, prenez-la. Donc la mission, elle est vraiment belle. Et dans ce temps que nous vivons, le Seigneur a donné aussi de la stratégie dans la mission. J'ai pu voir mon frère évangéliser comme un clochard. Paul dit, avec les juifs, j'étais juif. Ah, je ne peux pas me contenir. Oh, merci Seigneur. Elle est belle la mission. Mais comme un clochard, à l'aéroport par exemple de la Martinique, le frère était en train de chanter, danser. Beaucoup le prenaient pour un fou. Mais le message était véhiculé. Et chacun se voyait dans le message. Et vraiment, vraiment, dans ce temps que nous vivons, le Seigneur nous donne des stratégies aussi pour pouvoir évangéliser. Donc, c'est vraiment, nous encourageons de nous lever pour la mission parce que l'heure est vraiment à la fin. Donc, soyez encouragés, soyez fortifiés de ce que le Seigneur fait. Et c'est ça, hein, il dit Paul a ordonné à Timothée, à toute occasion favorable, il faut prêcher la parole parce que nous voyons que nous sommes à la fin. Donc, j'ai compris aussi à travers la mission, lorsque quelqu'un jeûne, parce que beaucoup disent que j'aime pas jeûner, mais lorsque tu jeûnes, tu manges un aliment spirituel et le corps n'a pas faim. Donc, c'est vraiment un temps pour pouvoir être rempli du Seigneur, rempli de sa compassion, rempli d'amour. Et je prie que le Seigneur nous donne vraiment cet amour des âmes, aller vers les âmes, parce que nous sommes à la fin. Et soyez encouragés, que le Seigneur fortifie au nom puissant de Yeshua. Et c'est vrai ce que tu dis, hein, c'est que par rapport à la nourriture,
J'ai pas pris petit déjeuner, j'ai pas... En fait, on mangeait dans la journée un petit encas, un petit sandwich. Et on n'était pas sur la nourriture, je vous dis la vérité. T'es pas sur la nourriture, le confort, en fait, t'es connecté, t'es au Seigneur et pour le travail qu'il y a à faire, vous voyez. Donc, c'est magnifique. Voilà pourquoi c'est la mission là, il ne faut pas vouloir son confort, le confort de tous les jours. La mission, mais c'est la mission, vous voyez. Et faut pas rester, oh j'ai pas eu mon petit croissant, j'ai pas eu mon pain au chocolat, j'ai pas eu ma tartine de beurre. Faut garder ça là ou pas dans ça. Ou qu'est pas ça à côté. Hein? Faut garder Zia fixé si Yeshua, s'y mettre là. Hein? Au nom de Yeshua. Parce que c'est quelque chose de spirituel. Amen. Et dans la parole, tu as tout. Amen. Amen, amen. Les soeurs, je sais pas si les soeurs voulaient dire quelque chose. Hein? Ben écoutez, nous avons été encouragés aussi. Le Seigneur a vraiment opéré des choses merveilleuses parce que nous étions envoyés. Voilà, on avait cette conviction et donc le Seigneur nous a demandé d'y aller. Et donc voilà, on a suivi Yeshua alors que ça nous paraissait gros, mais il n'y a rien de trop gros pour le Seigneur. Et le Seigneur nous envoie et ce sont des expériences inoubliables, hein, gravées dans nos cœurs. Parce que voilà, on était à l'écoute du Saint-Esprit et aussi de se côtoyer dans un logement, de pouvoir prier ensemble, méditer ensemble et vraiment de vivre ça. C'était une belle expérience avec le Seigneur, c'est la deuxième fois. Et je bénis le Seigneur pour ça parce qu'on apprend à se connaître. On apprend aussi à voir comment le Seigneur opère. Et voilà, et puis nous étions touchés par ces âmes qui ont été touchées, même celles qui n'ont pas été baptisées, mais qui ont entendu la parole et qui ont été touchées, qui ont posé des questions et qui ont dit vouloir accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et qui chercheront à lire la Bible et mettre leur vie en règle. Donc ça nous a beaucoup aussi touchés, les conversions. Voilà, où le Seigneur a aussi... exposer certains péchés pour que les âmes puissent se convertir à lui, quoi. Et voilà, donc encouragée de cette mission, voilà. Donc si les sœurs ont autre chose à partager. C'était une belle mission, effectivement, c'était la deuxième pour nous. Et le Seigneur, vraiment, il agit, en fait. Quand il nous envoie, il est là, il nous devance. Et voilà, on voit vraiment qu'il y a une soif, en fait. Même s'ils ne donnent pas tous leur vie à Jésus. Enfin, disons, ils ne prennent pas tous le baptême. Mais en tout cas, le fait d'avoir semé, nous a, voilà, on sent qu'ils sont touchés. Et on sait que derrière, le Seigneur va encore envoyer ses enfants. Et peut-être un jour, ils prendront le baptême. Mais vraiment, c'est glorieux. Et vraiment, ça nous encourage à continuer. Parce que voilà, le Seigneur il a dit que la moisson est grande, que voilà, les fruits sont déjà mûrs et voilà, il suffit juste d'ouvrir la bouche et puis le Seigneur fait le reste. Mais voilà, c'était vraiment une belle mission. Le Seigneur est au contrôle, il est bon. Et donc voilà. Alléluia. C'est vrai que c'est beau de voir comment le Seigneur sauve la jeunesse de plus en plus et ça c'est vraiment beau. C'est-à-dire que oui, bon, il y a des choses de ce monde, mais le Seigneur veut vraiment sauver la jeunesse et qu'on puisse continuer à prier pour la jeunesse de Guadeloupe, des Antilles, et enfin tout le monde, hein, mais spécialement la jeunesse, et que le Seigneur puisse continuer son œuvre. Alléluia. Amen. Donc, c'est vrai qu'on a vraiment été encouragés par cette mission. Et en fait, on s'est laissé conduire par le Seigneur. En fait, on n'a pas... chercher qu'est-ce qu'on allait faire demain. On s'est vraiment laissé conduire, en fait. C'était le jour, en fait. Et voilà, c'était magnifique. L'évangélisation, c'était du début jusqu'à la fin. À l'aéroport, dans l'avion, dans les rues. Franchement, c'était magnifique. Et wow, les âmes sont touchées. Et il y a eu les baptêmes, franchement. Et comme disait ma sœur, le Seigneur, il sauve la jeunesse. Et on est vraiment encouragés. Et, voilà. Alléluia. Merci Seigneur.
Vraiment encouragée, vraiment par cette mission, parce que j'ai pu me rendre compte que quand on part en mission aussi, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Il faut avoir cette intimité avec le Seigneur, en fait. Avoir cette intimité parce que quand le Saint-Esprit parle, il faut être attentif et comprendre quelle est sa volonté. S'il te dit droite, c'est droite. S'il te dit gauche, c'est gauche. Et c'est quand tu as cette intimité avec le Seigneur que du coup, il te parle et il te conduit et que tu te laisses faire. L'émission, en fait, par rapport à tout ce que les sœurs ont pu dire, c'est vrai que se laisser conduire, c'est juste magnifique. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on peut témoigner que le Seigneur, il est vivant. Qu'il est vivant, qu'il est bel et bien vivant et réel. Parce que on vit, en fait, on vit l'action, on vit les choses avec lui. Et là où on voit, où on pense que, qu'il n'y a pas de solution, eh bien, lui, en fait, il nous montre que, si, il y a une solution. Et voilà, je vous ouvre la porte là, pour cette action, pour cette chose, etc. Et donc, moi, je convie vraiment à tous ceux et celles qui ont à cœur de partir en mission, de travailler pour le Seigneur, d'avoir cette intimité avec lui. Sans cette intimité, le Seigneur ne peut pas nous parler, nous dire vraiment ce qu'il veut que nous fassions. Donc, il est important, premièrement, d'avoir cette intimité avec lui tous les jours. Tous les jours, parce que dans la parole, il est écrit qu'il faut méditer cette parole jour et nuit. Jour et nuit. Donc, c'est être dans sa présence jour et nuit et être aussi dans la parole, la méditer jour et nuit. Et ça, sans limitation, quoi. C'est vraiment, on peut faire de l'excès à ce niveau-là, en fait. Il est important. Il est important de prier en tout temps. De prier en tout temps. Parce qu'il n'y a que comme ça, en fait, que le Seigneur nous aide, en fait, à avancer et à avancer dans son œuvre. Et c'est juste magnifique ce qu'il fait, parce que toutes les délivrances qui ont pu être opérées, vraiment, on voyait l'amour du Seigneur et même au niveau du cœur, le pardon, etc. Vraiment, le Seigneur, là, il veut parler au cœur. Il veut vraiment s'adresser au cœur de chacun, chacune. Donc, il faut vraiment se laisser bercer par lui, en fait. Donc, vraiment, toute la gloire au Seigneur. Et ceux et celles qui se disent que le Seigneur ne les aime pas, ben, en fait, ça, c'est toujours un mensonge de l'ennemi, en fait. Qui essaye de nous faire croire que le Seigneur ne nous aime pas par rapport aux épreuves que nous voyons, que nous avons. Et en fait, il faut juste s'accrocher au Seigneur et lui demander, en fait, quelle est sa volonté pour nous, ce qu'il veut que nous fassions. Donc, ça retourne encore à l'intimité avec lui pour pouvoir marcher et être encouragé. Alors, toute la gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce que nous avons pu aussi remarquer, c'est qu'il y a aussi, dans ce temps que nous vivons, une peur. Et il y a beaucoup aussi d'idolâtrie partout. C'est pourquoi le Seigneur envoie ses enfants pour pouvoir casser, déraciner. Parce que lorsque tu fais un sondage dans les villes, eh bien, tout le monde dit, je connais le Seigneur, mais beaucoup ont leur cœur encore endurci par leur catholicisme romain, par la tradition, la religion, toutes ces choses. Donc c'est vraiment un message d'amour que le Seigneur nous a permis d'aller aussi, d'apporter, et aussi de planter une bonne semence. Et nous savons que à travers cette mission que le Seigneur a allumée, parce que il y a des jeunes qui se sont donnés au Seigneur, et nous croyons vraiment que le Seigneur les a allumés et il y a un feu qui va prendre sur la Martinique. Donc c'est sans esprit que nous jugeons toutes ces choses que le Seigneur nous donne à faire.
et vraiment que nous puissions mener une vie par l'esprit pour que nous puissions comprendre à ce que le Seigneur nous appelle là. Et vraiment nous prions vraiment que ce feu continue, voilà, continue sur l'île sœur de la Martinique. Donc et nous prions aussi vraiment que le Seigneur envoie des ouvriers dans sa moisson, parce que elle est belle la moisson, elle est belle, elle est belle. C'est plus le temps de rester assise, assise. Vous voyez, c'est le temps de se lever. Et vous voyez, quand le Seigneur demande à ses enfants de se lever, c'est normal que le vent aussi se lève, le vent contraire. Et il y a un vent qui s'est levé là. Mais les enfants du Seigneur ne doivent pas rester assises. Parce que l'ennemi n'a pas peur de s'afficher aujourd'hui. On a vu sur les bâtiments combien il y avait de l'idolâtrie, comment il disait qu'il servait. Et on vit qu'il servait aussi un Dieu connu, un Elohim connu. Donc il faut vraiment emmener la parole, l'eau véritable. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire, emmener l'eau véritable sur le pays. Là, lorsque le Seigneur t'envoie quelque part, c'est de déraciner et de planter. Et nous croyons que le Seigneur a planté une semence parce qu'il cherche un homme. Donc s'il trouve, nous pensons que le Seigneur a trouvé, il a trouvé un homme, et béni soit notre Elohim. Il est tout puissant, il est souverain, il fait ce qu'il fait. Donc nous bénissons l'île de la Martinique, bénissons la Guadeloupe pour ce que le Seigneur a commencé, et nous savons que le maître l'achèvera. Amen. Alléluia, magnifique, magnifique. Bel amour du Seigneur là, c'est magnifique. Et oui, alors pour le Sénégal, oui, prochainement, Sénégal. Donc, on se laisse conduire par notre papa. Et chacun, voilà, quelqu'un nous a posé une question, si c'était ouvert à tous. En fait, voilà, chacun est libre de venir ou pas, hein, tout simplement. Et donc voilà. Et prochainement encore, les Antilles encore, prochainement encore. Prochainement encore les Antilles. Et voilà, voilà, voilà. En tout cas, merci pour vos prières, l'Église. Franchement, merci pour vos prières. Et c'est ça, on a besoin de vos prières. Voilà, pour qu'on vous informe aussi de ce qu'on fait aussi, tout simplement. Pour aussi encourager les frères et sœurs, parce qu'on s'encourage mutuellement. Et que le Seigneur soit béni. Merci pour vos prières. Merci pour le soutien aussi de financier aussi, matériellement, tout ce que vous avez pu semer. Voilà, pour les âmes. Qui a servi aussi à la mission, au déplacement et à tout ce qu'on a pu faire. Donc, franchement, je suis encouragé. Je suis. Non, le Seigneur, il est terrible. Hier soir, la conférence qu'on a fait, hier soir, là, on a prêché un peu la parole. Le Seigneur a délivré son peuple, délivré ses enfants. Et un jeune touché par le Seigneur aussi. Il a demandé la prière et il était dans le rapport sexuel contre nature. Et depuis l'âge de 17 ans, il passait d'homme en homme, d'homme en homme, d'homme en homme. Et c'est terrible. Il a été délivré, un démon terrible a vomi du sang, tout ça là. C'est délivré totalement là. Et là, il veut suivre le Seigneur, mes amis. Le Seigneur, il est terrible. Il est terrible. Il y a une soeur qui était là aussi, une nouvelle convertie. Qui était là, et quand elle a vu tout ça, elle a dit à notre sœur, mais en fait c'est vrai, les démons ça existe quoi. Donc elle a réalisé en fait que les démons là, ça pousse au péché quoi, ça pousse à pratiquer des choses compliquées. C'est terrible, elle était touchée aussi, elle a donné sa vie au Seigneur aussi. Elle est délivrée, l'amour de Yeshua a touché nos sœurs hier soir là. Et on est encouragé. Je suis encouragé, pour rien au monde, on retournera dans le monde. Pour rien, on ne peut pas lâcher le Seigneur, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand on voit tout ça là, quand on voit que le Seigneur agit, délivre, sauve, les gens se donnent à lui comme ça là, non. C'est pas pour rien qu'on se bat pour ne pas pécher, pour ne pas tomber dans le mal. En fait, à travers nos vies, frères et sœurs, je vous assure qu'il y a des vies derrière toi, mon frère. Toi qui m'entends, il y a des âmes derrière toi. Toi qui m'entends, ma sœur, il y a ta famille derrière. Il y a ta famille que le Seigneur veut délivrer. À travers toi. Si toi t'es pas là, le Seigneur le fera aussi, sûr, c'est sûr. Mais sache que tu as une mission. Voyez, on a une mission, on a tous une mission. Il est l'heure qu'on puisse sortir de notre sommeil, qu'on sorte de la paresse, qu'on sorte de la honte, qu'on sorte de la peur, qu'on sorte un peu de tout le système qu'on a mis en place, et que
qu'on puisse vivre véritablement la parole du Seigneur, l'évangile sans compromis, sans détour. Et c'est là qu'on voit le Seigneur en vérité opérer, agir, parce qu'on vit pleinement cette parole. Voyez ? Car si nous ne vivons pas la parole du Seigneur, il n'y aura aucun impact. Voyez ? Il y aura aucun, en fait, le Seigneur ne va pas attester l'œuvre qu'on fera. Il ne va pas l'attester dans les cœurs des âmes. Voyez ? On peut dire Jésus, matin, midi, soir aux âmes. Si dans ta vie, là, tu vis dans le péché, tu vis dans les choses compliquées, il n'y aura pas d'impact dans la vie de la personne. Non, elle n'aura pas le cœur vivement touché. Voyez ? C'est pour cela, en fait, que nous devons nous consacrer, vivre dans la lumière, la vérité, la transparence, l'humilité, rechercher toutes ces choses, toutes ces vertus tous les jours. Voyez ? Et je vous dis, le Seigneur, là, il n'a pas le temps, il n'a plus de temps, là. Il va sauver ses enfants. Il va envoyer son peuple dans divers lieux, aller secourir les gens, aller, comme le dit la parole, aller secourir, aller aider, aller nourrir, aller prêcher la parole, aller agir, travailler pour le royaume. Nous avons reçu le nom le plus puissant, le nom le plus glorieux, le nom le plus élevé de tous les noms. Que faisons-nous avec ce nom ? D'autres cherchent à gagner de l'argent avec ce nom, d'autres cherchent à se faire aduler, adorer avec ce nom, alors que ce nom-là, il doit nous écraser, ce nom. Vous voyez, c'est le nom du Seigneur qui doit être visible, le nom de Yeshua qui doit être connu, être vu et adoré, élevé, c'est Yeshua de Nazareth. Vous voyez ? Alléluia. En tout cas, on est encouragé. Que le Seigneur soit béni pour les Caraïbes, béni pour les îles, béni pour les nations qui vont entendre ce témoignage, cet encouragement aussi. Et on est aussi encouragé par vous, même si on ne se voit pas physiquement. On est aussi encouragé par vos prières, par aussi les commentaires que vous mettez aussi, qu'on peut voir, qui encouragent aussi mutuellement. Voilà, que le Seigneur soit béni. Et prochainement, Sénégal, les Antilles, si vous avez à cœur de nous soutenir dans la prière, faites-le matériellement, financièrement, faites-le. Et qu'est-ce que c'est là? C'est le temps. C'est le temps de bouger. Amen. Seigneur, merci pour ta bonté, papa. Merci, Seigneur, pour ton feu. Merci pour la prière, papa. Merci, Seigneur, pour tes anges, papa, que tu as envoyé, papa, dans cette génération, papa. Père, pour accompagner, papa, Père de gloire, tes enfants, papa, qui opèrent pour ton royaume, papa. Seigneur, au nom de Yeshua, Père de gloire, sauve, papa, guéris, papa, délie, papa, ton peuple. Seigneur, mon roi, tous ceux qui sont fatigués, papa, soient restaurés. Tous ceux, papa, qui sont dans le doute, soient restaurés, papa. Tous ceux qui sont tombés, papa, soient relevés, papa. Au nom puissant de Yeshua de Nazareth, Seigneur, on te bénit, papa. Toute la gloire te revient. Tout l'honneur te revient, papa. On se repent, Père de gloire. On veut pas voler ta gloire, Seigneur. Toi seul, au Père, Seigneur, mon roi. Oh, Yeshua de Nazareth. Que les îles soient impactées, papa. Que le réveil, papa. Que le feu, papa, puisse accompagner, papa, ton peuple. Accompagner, papa, tes enfants, Seigneur. Au nom de Yeshua. Qu'on ne soit pas religieux, mais que nous soyons, papa, des marcheurs. Des hommes et des femmes qui marchons par l'esprit et non par la chair, non par la vue, mais par l'esprit. Au nom de Yeshua de Nazareth. Au nom puissant de Yeshua. On détruit, papa, tous les plans. Des complots, papa, la magie contre nos vies, papa. Au nom de Yeshua, que ton feu, papa, nous environne. Que ton feu, papa, nous remplisse. Que ton feu, papa, soit renouvelé dans nos vies, papa. Au nom de Yeshua de Nazareth, papa. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grandeur. Merci pour la Guadeloupe. Merci pour les îles. Merci pour le peuple, papa, que tu libères. Au nom de Yeshua de Nazareth. Oh Seigneur mon roi. On finit par là, sinon on va continuer trop à prier, parler encore. En tout cas, courage tout le monde. Courage, 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 courage. Bon Dieu bon pour Guadeloupe. Vous voyez, on dit en carrière, vous voyez. Bon Dieu bon pour Guadeloupe. Alléluia. On finit pas là. Bon, on va faire un petit bon Dieu bon quand même, un dernier pour finir. Bon Dieu bon pour Guadeloupe. Bon Dieu bon pour Guadeloupe. Bon Dieu bon. Bon Dieu bon pour Guadeloupe. Bon Dieu bon. Bon Dieu bon pour Martinique. Bon Dieu bon. Bon Dieu bon pour Dominique. Bon Dieu bon. Bon Dieu bon pour toutes les nations. Bon Dieu bon, bon Dieu bon pour vie en nous. Bon Dieu bon, bon Dieu bon pour vie en nous. Bon Dieu bon, bon Dieu bon pour Martinique. Bon Dieu bon, bon Dieu bon pour l'Afrique. Bon hey. Bon Dieu bon pour les nations. Bon Dieu bon, bon Dieu bon pour tout le monde. Bon Alléluia. Amen, frères et sœurs. À bientôt, à bientôt, à bientôt.